Well, welcome back, everyone. I hope you had a great coffee break. Now we're going to start our session on hearing from countries. I'm joined today by JP Langa, who is the incident manager for the current cholera outbreak in Mozambique, and by Dr. Placide Welo, who is the director of the National Cholera Elimination Program in DRC. And we're going to be having a bilingual session, French and English, starting off with JP. Over to you. Thank you. I think we will have three languages because I will do it in Portuguese if you guys don't mind. I'm joking. So spare you of translating to English or French. So this session will be based on the survey that was sent to many of you. And we want to thank you all that responded. So we want you to give us feedbacks and inputs on the questions and during the discussions. So many of them were on the survey. So this session will present findings of the survey that was sent before this meeting. And we will discuss the state of perspective for the implementation of GTFCC surveillance recommendation that already started with Kristen this morning, and we shall continue receiving feedbacks and identify any resulting actions item. For the working group, there was a recommendation this morning to come back in June with some action, so we'll be open to hear more and receive more inputs to support the countries. This is not an assessment to the countries, it's either a discussion, open discussions, to receive our transparent and open feedback on the surveillance aspects. We shall share experience and challenges and solutions. We know a lot about challenges, and we hope that this session will also bring solutions feasible solutions, we hope. So I hope we all enjoy the session, and welcome to the session. So these are the countries that responded. As I said, we want to thank you all that responded here. I don't know if you can see, but this is IT, and the rest you can clearly see. So we appreciate the time you took to fill the survey. It was a little bit long, but it was a valuable exercise. So welcome to the session. Okay. Nous allons continuer en français. Donc, vous avez votre casque. Si vous pouvez bien mettre votre casque pour suivre aussi l'interprétation en français. Encore une fois, merci José pour l'introduction. Thank you. Et nous allons continuer avec les modèles de surveillance de routine de choléra. C'est au fait, comme José venait de le dire, ce n'est pas une évaluation en soi, mais au moins on sait que les pays, nous évoluons à plusieurs vitesses, nous évoluons à plusieurs rythmes. Et donc, nous voulons juste partager nos expériences par rapport au système de surveillance des routines par rapport au choléra. Et l'évaluation, c'était juste pour montrer les niveaux actuels de pays. Et vous avez suivi ces 25 pays qui ont participé à cette enquête rapide de surveillance
de modèle de surveillance de routine au niveau du pays. Et à travers cette diapositive, vous voyez qu'il y a 64% de pays seulement qui arrivent à mettre en place les trois modèles de surveillance qui est recommandé. C'est-à-dire la surveillance à travers les indicateurs au niveau de formation sanitaire, il y a la surveillance à base communautaire et la surveillance des événements. Donc, il n'y a que 64%. Pourquoi 64%? Parce qu'il y en a dans les 72%, soit ils utilisent la surveillance à base d'événements, ils n'utilisent pas la surveillance à base communautaire, soit ils utilisent l'un ou l'autre. Mais au moins, tous les pays utilisent quand même la surveillance des indicateurs à travers les formations sanitaires, ce qui est déjà une bonne chose, mais nous devons voir, partager notre expérience, comment faire en sorte que la communauté puisse être impliquée dans la surveillance à base communautaire. Comment faire cette surveillance à base des événements? S'il y a des pays qui ont une expérience par rapport à ça, nous voulons vraiment vous écouter. Ça pourra aider les pays qui n'ont pas encore mis en place ces systèmes de surveillance à base communautaire ou les systèmes de surveillance des événements, de pouvoir aussi voir comment mettre en place cet élément de surveillance par rapport, pas seulement au choléra, mais aussi de manière intégrée, parce que nous voulons plus la surveillance de manière intégrée. Donc, nous voulons plus vous écouter. Et ça sera en français, en anglais. Soyez libre de vous exprimer dans la langue qui vous est beaucoup plus facile. Donc, j'attends les contributions, même pour ceux qui sont en ligne, en français ou en anglais, par rapport aux trois volets de surveillance qui sont recommandés dans les nouveaux guides, dans les nouveaux documents de recommandation, pour que au moins qu'on arrive tous à faire ces trois volets de surveillance et que ça puisse aider à renforcer la surveillance dans nos pays. Voilà, j'attends vos contributions ou les difficultés que vous avez et ceux qui ont réussi à les mettre en place, vos expériences vont pouvoir nous aider. À vous, la parole est à qui veut prendre la parole. Qui va commencer en ligne? OK. Oui, merci. Comme je disais tantôt, je suis M. Tanté, je suis Togolais. Au Togo, nous faisons en réalité les trois types de surveillance, mais nous pouvons d'emblée dire que la surveillance à base communautaire n'est pas encore très formalisée. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la surveillance à base communautaire, la surveillance des événements, ont une idée semblable, mais c'est que la surveillance à base communautaire est beaucoup plus organisée, avec des outils et un schéma spécifique qui va recouper la surveillance des indicateurs, donc au niveau des formations sanitaires, par les responsables des formations sanitaires. Donc, pour la surveillance des indicateurs, elle est formelle. On le fait, tous les pays le font, comme vous l'avez dit. L'autre ambiguïté, c'est la surveillance des événements, qui est une nouvelle approche et que nous faisons même depuis le temps sans s'y rendre compte. Il suffit seulement que quelqu'un voit que quelqu'un fait la diarrhée, quelqu'un signe et ça aille de bouche à oreille et jusqu'au niveau où peut-être le niveau formel va commencer par faire des investigations. Et trouver qu'effectivement c'est vrai ou c'est pas vrai le diagnostic posé par la communauté d'une manière informelle. Maintenant, la surveillance des communautaires, il faut rappeler que aussi avec le guide SIMM3, c'est en train d'être revu d'une manière formelle avec des outils, avec des schémas spécifiques, parce qu'il faut se rendre compte que les acteurs de la surveillance communautaire sont bien listés, sont connus. C'est les AIC, les autorités, même les enseignants, tous, qui peuvent enregistrer et commencer par être la base du schéma
par un élément de la communauté qui s'appelle le point focal surveillance communautaire. Si on diversifiait après, avant, et beaucoup, on aurait des problèmes. Au début, quand ce n'était pas un peu formel, qu'est-ce qui se passait? Les gens pensaient que tous les ASC devaient notifier les cas. Et c'était difficile qu'il n'y ait pas une analyse intermédiaire. Donc, le RFS qui était chargé de recevoir l'information et d'analyser, de faire des enquêtes communautaires, en avait beaucoup plus. Et donc, la forme formelle au niveau communautaire, il y a tous les acteurs précités sont dedans, mais au-dessus d'eux, il y a un qui est élu d'une manière formelle avec des critères propres. Il sait lire, il sait écrire, il sait écouter, on l'écoute, il respecte comme on le respecte. Et c'est lui qui est chargé alors de prendre l'information du niveau 1, les analyser, parce que lui doit être formé comme on forme des acteurs en SIML à la surveillance des maladies. Et donc lui fait un tamis, essaie de faire des trucs avant de compiler pour certaines maladies qui ne sont pas à déclaration immédiate. Pendant une semaine, comme on a proposé, je pense que c'est ce matin, et pour des maladies à déclaration obligatoire, qui les prend obligatoirement et qui les transmet au niveau de la formation sanitaire, où les investigations primaires commencent avant de bénéficier de l'appui du niveau district DRS, et voire au niveau national si cela urge. Voilà, nous, on le fait d'une manière formelle. Mais ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que la surveillance à base communautaire, comme je disais, avec l'adaptation du guide SIM3, la plupart des pays comme mon pays, on a repris d'une manière formelle. Nous avons formé au niveau national, nous on a formé des responsables régionaux et du district, mais ceux-là ont formé les prestataires qui gèrent chacun dans son cloître les acteurs de formation, des acteurs communautaires, et nous sommes à l'étape où ces acteurs communautaires qui ont en main ces acteurs du niveau périphérique, c'est-à-dire les RFS qui gèrent les communautés au niveau local, va former maintenant d'une manière formelle les acteurs communautaires que maintenant on a pour le moment un souci de financement. Nous sommes en train de faire les plaidoyers. C'est encore une fois l'occasion de voir si nous pouvons avoir plus d'appui. Et ceci, c'est d'une manière globale. Et après, peut-être dans les clusters, dans les zones chaudes du choléra, nous allons reprendre cette activité de la formation des événements au niveau public sous forme de briefing ou bien de renforcement de la communication des risques, avec un besoin de l'engagement communautaire, et avec la surveillance communautaire, passer formellement à former tous les acteurs de la communauté, des 14 de nos 10 chauds que nous appelons les 10 à haut risque de choléra, on va les reprendre d'une manière spécifique pour en faire des acteurs plus complets dans le contexte du choléra. Voilà ce que le Togo fait par rapport au troisième temps de la surveillance. Merci beaucoup, Togo, pour ce partage d'expérience. Nous comprenons déjà que vous êtes dans le processus, surtout avec les formations. Donc, il faut maintenant voir aussi comment la remontée de ces informations après que les gens soient formés. Et nous voulons encore avoir peut-être une expérience d'un autre pays par rapport aux trois volets de surveillance. Et comme on l'a dit, la surveillance des événements, c'est tout événement. Ça peut être inondation, ça peut être catastrophe, ça peut être... Donc, c'est vraiment pas... Il n'y a pas... C'est pas en termes de données chiffrées, mais on a besoin d'un événement inattendu qui est survenu, mais l'information de cet événement doit remonter aussi à travers les systèmes de santé. Parce que vous savez que parfois, après les inondations, il y a des maladies diarrhéiques, il y a les choléras qui viennent. Mais si l'information n'est pas remontée, cet événement-là peut être pris comme une surprise, alors que la surveillance en termes des événements devait aussi remonter ces problèmes d'inondation pour prévenir, au fait, anticiper
par rapport aux actions. Un autre pays. Oui, le Zimbabwe. Thank you. Isaac Piri from Zimbabwe. I see we use the three surveillance systems in Zimbabwe, the health facility-based, community-based surveillance, and event-based surveillance, just like my colleague here explained. What I want to put in here is the we also have what we call the weekly disease epidemiological bulletin or weekly disease surveillance report, which is produced every week for the entire year without fail. The information flow from that weekly disease surveillance report, it comes from the community or village health workers. That report to a health facility. The health facility reports to the district. From the district goes to the province, province to national level. And the national level aggregate the whole data and send a bulletin with feedback to all those levels. And that weekly disease surveillance report, it also takes in cognizance the zero reporting if a case has not been reported. It's very critical that that is done. It also disaggregates data by age, like we saw there, less than below 5 years and above 5 years. And also it has completeness and timeliness of reporting so that we keep the timelines. If you don't report by Wednesday, the figures are not included in the weekly bulletin, but you are expected by end of week to also submit. But in terms of timeliness, you won't be included in the weekly bulletin. So we want everyone to report as by Wednesday. But also countries like any other country in Africa, we need support on the event-based surveillance. The new third edition of IDSR, which we recently adapted, and many countries have done so, with TOTs being done, emphasize a lot on the event-based surveillance for disease surveillance in our health facilities in community. So we are going to roll out trainings with support from Africa CDC and also WHO in the coming few weeks. For now, this is what I wanted to share with you in brief. Thank you. Merci beaucoup à Zimbabwe pour ce partage d'expérience. Je vois Morgane qui a levé la main. Morgane. Merci Placide. I will give the floor to Simone Carter online. Ah, OK. Bonjour tout le monde. Bon, je parle de la RDC sous notre directeur Placide. So same thing, just to say in the DRC, as Dr. Placide raised, we started monitoring diarrhea, typhoid, malnutrition, scabies rates after the volcanic eruption in 2021. And we saw doubling or more of all of these cases through HIS data in the same areas where now we've seen the massive increases in Eastern DRC in cholera since December and January. I think one of the other really important things that we have been monitoring beyond just cases is the high risk. So for example, recognizing the direct relationship between sexual violence and gender-based violence and cholera prevention. So the number of cases of violence against women that are reported a day related to collection of water or wood, which are required for cholera prevention, as well as the risks regarding safe sanitation and access to sanitation. And while these are different types of indicators, they're also helping us realize that they are increasing risk of cholera, because for example, women who say that the 71% of latrines in the camps do not have locks, therefore they are more likely to dig a hole next to their tents to use for defecation, which increases their cholera risk. And so looking at these kinds of surveillance risks in
a more integrated and holistic way, looking at events in terms of displacement. So we're creating maps as well, where we have displacement data, malnutrition data, cholera data, and measles overlapping at the health area, health zone, and then provincial level to help us really identify the multitude of risks that are happening at the same time. So yeah, just noting that those are equally important. Thanks very much. Merci, directeur. Merci beaucoup, Simone, pour ce commentaire. Merci pour le travail. En fait, on est en train de voir au niveau de la RDC, nous avons un centre artificiel d'intelligence artificielle par rapport à la surveillance. Et là, nous faisons pratiquement une surveillance intégrée. Et donc, en dehors de choléra, donc, il y a les analyses qui sont fines jusqu'au niveau de zones de santé, et le médecin chef de zone a un tableau de bord avec des analyses sur les problèmes qui se passent au niveau de sa zone, pas seulement les choléras, mais aussi la rougeole, si c'est le même phénomène qui se passe, et des interventions, et il y a un plan de mise en œuvre des recommandations des interventions qui est fait aussi de manière intégrée au niveau opérationnel. Merci beaucoup, Simon, pour le travail qui est en train d'être fait. Et donc, ah, Cameroun. Oui, Cameroun. Merci beaucoup au panel. C'est vrai que j'ai levé la main depuis. Je voulais partager l'expérience du Cameroun. En ce qui concerne la surveillance fondée sur les indicateurs dans les formations sanitaires, il n'y a pas de souci, c'est bien établi et les données remontent à travers le DHIS2 de façon hebdomadaire. Maintenant, lorsque nous avons la confirmation d'un cas, on ouvre une liste linéaire et à ce moment, on utilise les données désagrégées où on peut avoir l'âge, le sexe des populations. Mais pour des cas suspects, on a uniquement les données en termes de nombre de cas suspects et de nombre de décès. Maintenant, la grosse confusion vient au niveau de la mise en œuvre de la surveillance fondée sur les événements. Parce qu'il faut dire qu'avant 2017, on avait des agents de santé communautaire dans tous les districts du pays et ils faisaient la surveillance à base communautaire sur la base des définitions de cas communautaires. Mais c'était une surveillance pas formalisée. Donc, nous n'avons pas de base de données de surveillance à base communautaire. Lorsque l'agent de santé détecte un cas, il le transmet de façon oralement ou bien sur un petit carnet au chef de l'air responsable et c'est à ce moment que ça devient formel. Mais on n'a pas de base de données de surveillance à base communautaire. Maintenant, depuis 2017, avec l'appui de CDC Atlanta, nous avons mis sur pied la surveillance fondée sur les événements qui n'est pas dans toutes les régions du pays, mais c'était une surveillance en phase pilote et après on a étendu à 5 régions sur les 10. Donc, la surveillance à base fondée sur les événements utilise les signaux. Mais quand on regarde bien ces signaux-là, il y a un signal qui correspond à la définition de cas suspect de choléra. Et à ce moment, on avait donc, pour un début, des bases Excel que les points focaux au niveau des régions remplissent et ça remonte aussi au niveau central. Donc, ce qui fait que pour la surveillance fondée sur les événements, on a quelque chose d'assez formel, même comme ce n'est pas dans tout le pays. Et maintenant, avec l'OMS, toujours dans ce cadre de surveillance-là, il y a un nouvel outil qui est arrivé qu'ils appellent EWAR, Early Warning. Alerte en response, voilà, système. Et c'est une plateforme aussi électronique où ils ont formé dans quelques régions. Initialement, c'était des régions soit d'insécurité ou un système de santé fragile, où ils ont formé les agents de santé communautaire, leur ont donné des outils sous forme de tablettes pour que les données remontent. Mais à la fin, que ce soit la surveillance basée sur les événements ou bien la surveillance communautaire, les acteurs sont les mêmes. C'est peut-être les outils et le système de notification qui diffère. Donc, actuellement, au pays, il y a une grosse confusion et on a préféré mettre tout ça comme surveillance à base communautaire. Maintenant, il y a le volet SFE qui peut aussi se faire dans les formations sanitaires. Parce que si vous êtes dans un hôpital,
et que vous avez un cluster de cas, ça devient plus un événement et ça fait surveillance fondée sur les événements. Mais comme les autres pays, on a adapté la troisième édition, nous sommes à la phase de former les acteurs et au fur et à mesure, on va affiner. Merci. Merci beaucoup, Cameroun. Donc, on sent qu'il y a, c'est un processus qui est en train d'évoluer et donc on encourage vraiment que cette initiative puisse se poursuivre parce que les trois types de surveillance sont totalement différents parce que d'un côté, vous avez les indicateurs au niveau formation sanitaire. De l'autre côté, au niveau communautaire, à base communautaire, il y a aussi quelques indicateurs, mais sur les communautés avec les agents de santé communautaire. Mais dans les événements, c'est tout le monde. Donc, autorité, communauté, responsable, c'est question peut-être de former les gens et avoir des outils, comme vous avez dit, qui rapportent tout événement. Et là, il n'y a pas d'indicateur. C'est tout événement qui est rapporté. Donc, d'un côté, c'est indicateurs sanitaires avec les formations sanitaires, les indicateurs au niveau communautaire, peut-être avec les définitions des cas, mais de l'autre côté, c'est des événements qu'on rapporte et toute cette information doit être, bien sûr, ça passe par des niveaux différents, premier niveau d'administration, deuxième, troisième, et ça remonte au niveau national qui engage des décisions ou qui essaie de voir comment répondre à ces différents types. Alors, nous avons encore d'autres questions. Je crois qu'on va prendre au fur et à mesure les expériences des autres pays avec les autres questions, les autres éléments de surveillance. Alors, nous allons passer par rapport à la... Je pense que je suis allé trop vite là. Oh, sorry. Yeah. Back. Okay. Voilà. Alors, par rapport au modèle de rapportage aussi, nous avons vu que il y a des pays seulement pratiquement à 76% qui utilisent les données. Je pense que c'est un peu plus avant que ça. Yeah. Voilà. Alors, il y a des pays qui utilisent les rapportages à travers les outils papier et il y a aussi des pays qui utilisent les outils de rapportage électronique. Et là, nous avons remarqué dans la surveillance, ceux qui utilisent les données à partir de formations sanitaires qui sont des données en termes de listes linéaires, il n'y a que 76% et qui déjà utilisent les données en utilisant le format électronique au niveau de formation sanitaire. Et ces informations remontent au niveau national à hauteur de 68%. Donc, il y en a encore 32% de pays utilisent, soit 6 pays utilisent, ou 8 pays utilisent encore des données qui n'utilisent pas les données linéaires et qui n'arrivent pas au niveau national. Donc, nous avons suivi l'expérience de Cameroun, ils utilisent des listes linéaires. Nous avons suivi l'expérience également des Zimbabwe par rapport à ces rapportages. Nous avons également suivi pour la RDC. Nous voulons quand même aussi savoir pour les autres pays qui peut-être n'utilisent pas encore ces données linéaires, les données nominales, et qui préfèrent rester dans les données agrégées. Est-ce qu'il y a
une certaine des difficultés ou c'est encore une décision du pays, comment on peut arriver à tous avoir un même format qui prend en compte et les données agrégées et ainsi que les données linéaires. Je vais par là peut-être partager aussi l'expérience du pays, comment on est arrivé à insister pour avoir les données sous forme de listes linéaires. Parce qu'il fallait, après la vaccination, on s'est dit comment on va surveiller les gens qui sont vaccinés et les non-vaccinés quand ils développent les choléra. C'est par là qu'on a dit, bon, si on s'attend seulement à voir les données agrégées, on n'aura pas à capter cette information. Et les malades qui arrivent, qui ont été dans la zone où on a déjà vacciné, pour savoir les malades ici que j'ai, est-ce qu'il est vacciné, il n'est pas vacciné. Cette information-là, si vous n'avez que les chiffres, vous ne saurez pas analyser. Et c'est ça qui nous a plus poussé à mettre en place, c'est vraiment ce système électronique de surveillance pour savoir dans une zone où j'ai déjà vacciné, qui sont vaccinés qui développent la maladie, qui ne sont pas vaccinés qui ne développent pas la maladie. Et ça permet quand même de suivre l'efficacité de nos interventions sur le terrain. Sans quoi, avec seulement les données agrégées, c'est difficile. Donc, on voulait vraiment avoir l'expérience des autres pays si nous voulons évoluer par rapport à la surveillance avec les données linéaires. La parole est dans la salle, celui qui veut partager aussi son expérience et ceux qui utilisent surtout encore les données agrégées et qui ont peut-être des difficultés pour passer au système de rapportage linéaire. Okay, thank you very much. Just briefly, I would like to explain the surveillance system in Afghanistan. How does it work? And I will come to the data reporting. Actually, our surveillance system is sentinel-side-based surveillance. We have health facilities who are reporting indicator-based surveillance for 17 priority diseases, including the AWD/cholera. And the coverage is like 98% of the country. So like in 405 districts out of 410 districts, we have the sentinel sites at different levels. And we have one dedicated surveillance sentinel site focal point there, collecting the information related to surveillance and their sharing. The sharing mechanism is from the district level or the health facility level till provincial level, 34 provinces. This is on the paper base or WhatsApp or messages. But from provincial level to the national level and regional level, it starts in DHIS to entering electronic reporting. So what we are doing currently to expand the electronic reporting system from the provincial level to a district level in initial phases to target like 50% of the surveillance internal sites, around 300 out of 600. The problem is how do we report the data? Is it aggregated data or the lineless is with our health system? Because our surveillance system is part of the HMI system in the country, the health information management system, that reports for all diseases, over 60 diseases in Afghanistan on monthly basis. And they have the structure and case definition and also the cutoff point for age and other key variables. And our surveillance system is following that when it comes to indicator-based surveillance. So we have to follow that case definition in that form or register in the health facility. As it only provides aggregated data, we register and then our surveillance focal point is reporting to the provincial level or to the national level. But beside this, when there is cluster of cases or when there is outbreak or just this threshold cross based on the analysis, then we activate our eWarn system and the active case finding system. We don't have RRTs now, but we have a team, we call it surveillance support teams, SST. These are only two members in one team. One is epidemiologist or the EP person, another is the lab person. So they start active case finding for all outbreaks in the country. And the number of teams are quite large. Like this is
150 teams, 250, 300 people, and they have the transportation on other supplies. They are just searching for the cases. This, we are collecting the information in line in the form of a line list. So we have a mix of reporting system. At the national health system, we have the aggregated data. It's stored in DHIS2. But when it comes to the outbreak and cluster of cases for some particular diseases like cholera, like dengue, like CCHF, we activate our surveillance support teams or SST. However, still the line is collected in Excel sheets and forms. They are not entered into DHIS2 because this is a very exhaustive activity. I just mentioned before, like in one of the provinces, in 1 week, we recorded 3,000 cases of cholera. And that's quite difficult for two people of one surveillance support team to enter to the data. But as part of this e-surveillance expansion, we are currently working in receiving support from the regional office to develop the forms in the form of the line list in the tablets so that the entry could be easy in electronic and real-time reporting. That will help us to have both aggregated data in case-based data or line list for the cholera. Thank you. Merci beaucoup pour l'expérience du Pakistan. Donc, on comprend bien que c'est un processus et Afghanistan, thank you. Et nous allons prendre, donc, on espère que les systèmes, la recommandation, bien que c'est seulement pendant les flambées, mais on voudrait que cela puisse vraiment passer dans les systèmes de routine, cette surveillance électronique, et ça permet au fait de pouvoir suivre au cas par cas. Et parce que si on veut vraiment éliminer les choléras, il faut savoir suivre vraiment sa dynamique, là où les cas proviennent, et puis voir comment identifier d'autres cas le plus rapidement possible. Je vois au fond de la salle, à ma gauche, il y a une demande de la parole. OK. Thank you very much. My name is Mutawi from Somalia. In Somalia, we are using a combination of methods just to make sure that we get as much data as quickly as possible. At the community level, the alerts are detected by the community health workers and report them as aggregate data as soon as they get them. Then that data or that alert is validated by the health facility surveillance officer or the district-based rapid response team. As soon as the health worker or any qualified person gets that place, with or without confirmation, we request them to fill a standard line list, which sometimes is electronic, where there is access to internet, or paper-based. The challenge with the case-based reporting is if the number of cases are very many, the completion rate is very low. Actually, most of the variables are not reported upon. Having implemented OCV in different districts, we also included a reporting line, a yes or no for OCV uptake or not. However, almost all cases being reported have reported not being vaccinated. The case-based reporting is very good. Unfortunately, the completion rate is very low because the variables are quite many based on the standard line lists, the templates. And so you have to continually engage these health workers. What we did is in all the treatment facilities, when you have an outbreak, WHO deploys a qualified data manager whose role is to make sure that the line lists are completed from the patient files. Because the health workers by nature do not want to fill those complicated data requirements. Because at the end of the day, they have many patients and their interest is just to treat. So we boost the team with a dedicated data manager. Their role is to complete the line list and send it at the end of every EPI week.
That has helped us to basically understand the dynamics of cholera in different locations. In districts that are high risk but not reporting cholera, we have a zero reporting form. Every week, these cases, these districts send a zero report, which we correlate with the number of other diarrheas being reported. If there is a doubling in those districts for other diarrheas, we still go ahead to investigate if the doubling is due to cholera or other cases. And this has given us mechanisms for early detection in especially those districts we classify as high risk but silent. And the reporting is in some districts is real time from the health facility to the state, because the district is administratively not very active. So the next administrative level is the state. Having noted that gap, WHO has still deployed district surveillance officers in all those high-risk districts, again, to make sure that the response activities are initiated by those people as quickly as possible. At the end of every week, all those line lists are analyzed and we come up with a situation report, which gives the AP summary of the number of cases, the testing capacities, the admissions, and we also include the gaps that may have been identified on grounds that need to be probably attended to by the different groups. The challenge is, one of them is the high staff turnover. When you train people in a workshop setting, especially on data collection, because that we do it every month, the chances of retaining them after 3 months is very high, very low, because they always get opportunities everywhere. So we continually keep training, especially those who are willing. We do not mind about the special training in data, for as long as a health worker is willing to join the data team, we bring them aboard so that we, in case somebody leaves, we have a replacement. So that is how we are dealing with the issues of surveillance in Somalia. Again, probably to note is the validation in the use of the case definition. Despite the case definition being adopted for Somalia, translated, printed, and distributed, still you find some of the partners using a different case definition, especially those at the border, because Kenya and Ethiopia use a different case definition from Somalia. So sometimes you find difficulties in aligning those cases where some are over or under reporting. But through these coordination mechanisms with our colleagues across the border, probably we shall have this rectified. Thank you very much. Merci beaucoup pour la Somalie avec ce partage d'expérience. Et je crois que c'est important de voir renforcer les réunions interpays et surtout avoir la même compréhension, surtout en termes de définition des cas. Ça permet de pouvoir être réactif au même niveau, surtout au niveau des frontières. Ça, c'est vraiment encore des défis à relever par rapport à la surveillance. Et comme vous l'avez dit, oui, l'OMS est en train de soutenir dès qu'il y a des flambées, mais je crois que la nécessité ici, c'est de voir avec les zones prioritaires, les districts prioritaires. En principe, quand c'est vraiment des districts prioritaires, il faut mettre en place un système permanent. Et peut-être dans les autres districts où la maladie n'est pas permanente, on peut maintenant commencer à réagir par rapport aux flambées. Mais là où vous avez vraiment des zones prioritaires, au lieu, il faut capaciter les gens et leur donner peut-être les outils papier, les outils électroniques pour qu'ils soient à même de le faire régulièrement parce que c'est des districts où l'épidémie peut survenir à tout moment au lieu d'attendre que ce soit l'OMS qui envoie une personne pour aider à collecter les données par rapport aux listes linéaires. Alors, je vois aussi la main de Haïti et puis on prend Liban. Ok, merci.
Moi, surtout pour la surveillance au niveau du pays et surtout pour le rapportage des cas au niveau des institutions. Et nous avons les données qui sont recueillies à travers les registres qui sont disponibles au niveau des institutions, soit au niveau des centres de traitement et de la maladie, ou bien au niveau de toute institution qui fait aussi la prise en charge et des diarrhées. Donc, ces données sont recueillies à travers les registres et sont rapportées sur la plateforme DHIS2. Et ces données sont déjà et se trouvent déjà au niveau national où l'on peut, soit au niveau départemental, les analyser, préparer, soit les CITREP, en fait, les rapports journaliers qu'on appelle les CITREP qui sont publiés tous les jours. Et au niveau national aussi, on les analyse, on les traite et on présente aussi les CITREP quotidiens qui sont publiés tous les jours. Nous avons aussi ces données qui sont, ça c'est de manière linéaire, et nous avons aussi ces données qui sont aussi rapportées sur une plateforme, la plateforme MESI, qui nous permet d'avoir les données agrégées qui sont et aussi publiées toutes les semaines épidémiologiques, toutes les semaines. Et ces informations sont aussi traitées à travers la salle de situation que nous avons tous les jeudis et où l'on discute de ces données, de toutes les données et de la surveillance épidémiologique. Mais particulièrement, nous avons un bulletin qui est préparé de façon hebdomadaire où l'on discute aussi des données de choléra et un bulletin choléra où l'on discute de ces données et de manière agrégée. Donc, c'est ça, surtout pour les cas suspects et les cas confirmés et aussi les décès. Les décès aussi sont rapportés de manière linéaire, que ce soit les décès institutionnels ou bien les décès communautaires sur une base que l'on met en ligne à travers le Google Sheet qui est en ligne. Et les institutions et aussi à travers les agents de santé communautaire nous rapportent ces informations qui sont traitées soit de niveau départemental ou bien au niveau national. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, Haïti. Oui, Liban? Thank you very much. So I would like to share our experience regarding cholera surveillance in Lebanon. So before the outbreak, we had these two systems in place using the DHS2. So we have the case based from the hospitals, public and private. We have 149 hospitals reporting with a case based on DHS2. And also we have from medical centers, we have 900 medical centers across the country reporting aggregate-based data on DHS2. And in this form of aggregate-based data, we have three items for the diarrhea. We have cholera, we have acute diarrhea, watery acute diarrhea, and we have acute diarrhea, bloody. So we have three items in this form. During the outbreak, the system have been enhanced. So for the medical centers, whenever they have reporting cholera, so we have an investigation done, and this is leading to the case-based form. So when we have a medical center reporting cholera, so immediately we have a team going there, a rapid response team, to do the investigation and to fill the case reporting form. And I think this year we will enhance also these medical centers to do case-based online reporting through the DHS2. It's planned for this year. Regarding the event-based surveillance, so it's in place, so it's different components. So we have the call center in place since February 2020. It was for the COVID, and this call center has been enhanced to do also other diseases. So it's covering also cholera, so people can call, seeing that we have cholera case. So we have reporting from the public, and from this also we have detected some clustered confirmed ones by reporting from the public. And also we have the media scanning through the IOS and also social media, also searching for any cluster alert. So we also, when we have a signal, we send the teams to investigate the case. Regarding the community-based surveillance, for us, it's a part of the event-based surveillance because it's non-health professionals. So we have started with this some years ago for the AFP cases and polio cases with NGOs. So last year, we have also expanded this community-based surveillance to reach more the NGOs working with the localities and communities, but also with the municipalities.
We have more than 1,000 municipalities, and with the Lebanese Red Cross, we are training these municipalities to be there when we have cholera cases, to report any signals. Up to now, we have trained 100 municipalities, and we want to assess this system, how it's feasible and sustained in the future, and to expand it for the other, to reach the 1,000 municipalities. And since the outbreak that we had up to now, we are doing daily reports posted on the website in Arabic and in English, so people can know what we have as figures. Thank you very much. Merci beaucoup pour les partages d'expérience de Liban. En ligne, Morgan, il y a aussi. OK, donc nous allons continuer avec le rapportage des zéro cas. Il arrive souvent que les pays, on a regardé, il y a encore quelques pays qui ne rapportent pas les zéro cas. Donc, 3 pays sur 25, on dit que les cas des zéro cas ne sont pas rapportés. Vous savez que zéro, c'est un chiffre. Ça nous traduit au fait qu'il n'y a réellement pas de cas. Mais si on n'a pas rapporté zéro cas, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des cas? Est-ce qu'il n'y en a pas? C'est un peu le partage d'expérience à ce niveau-là. Pour les pays qui ne rapportent pas zéro cas, donc, ou d'autres qui pensent que c'est pas bon de rapporter zéro cas, est-ce qu'on peut essayer de partager les éléments par rapport à ça? Zambia. Yeah, thank you. In the case of Zambia, our experiences in using zero reporting has been very helpful in the sense that it's one of those variables that we continue monitoring to inform when an outbreak should close. In our context where we understand the challenges that we have in surveillance, we've been using zero reporting for a period of 15 days to inform whether an outbreak should close or not. And that is the information we've been providing to the minister for purposes of obviously closing an outbreak to give as a feedback to the districts that were responding. Currently in Zambia, we have had 8 districts that were affected with cholera. And so far we have closed 6 outbreaks using the zero reporting as a way of monitoring as well as providing feedback for purposes of closure from the high offices of the minister, which gives also like a pat in the back of the responders that indeed they did a good job. So it is it's worked well for us, but we know that to be able to do that, it has to be done in real time. And so far we've seen we've deployed what is called the cholera tracker, which is a DHIS2 instance system. And that has provided us with real-time information in terms of tracking the numbers as well as the zero reporting aspect of it. So far, so good, but there are still a lot of work to be done in terms of building capacity across all systems in the manner that they should do it uniformly across all the districts, because not all the districts really were supported with the DHIS instance. But we saw that in areas where we had a DHIS instance using the cholera tracker, it really helped us navigate the outbreak quite well. So far, 2 districts still remain. And as I speak today, 1 district is on day 9 of zero reporting. So we still have about 5 days to close that one because they are monitoring. Thank you. Merci beaucoup à Zambie pour ce partage d'expérience. Je sais qu'il y a toujours parfois des problèmes de complétude des données, et c'est surtout dans les zones où on pense que la semaine passée, ils ont notifié des cas. S'ils n'ont pas rapporté, en principe, il faut
vraiment collecter activement cette information. Si c'est zéro, ça doit être rapporté. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que ces silences-là, soit qu'on n'a pas eu la connexion Internet, soit qu'on n'a pas peut-être eu à transmettre son rapport et on a l'impression qu'il y a un vide. Donc, il faut vraiment, même les zéros, il faut rapporter, sinon peut-être mettre en place des mécanismes pour collecter activement l'information s'il y a un problème de complétude en termes de données. Alors, nous allons passer aussi par rapport à l'utilisation des six ports de communication, parce que là, on a également vu qu'il y a encore quelques pays qui n'utilisent que de papier. Donc, les systèmes de rapportage avec le papier. Donc, on a un pays qui utilise uniquement le papier, donc ils ne sont pas encore passés au système de surveillance électronique, et même trois qui gardent encore les données des laboratoires en termes papier. Mais il y a d'autres, la majorité des pays utilisent la combinaison des deux, et il y en a qui vont au-delà en utilisant les données au niveau électronique, que ce soit les données épidémiologiques, et ils les agrègent, ils arrivent à agréger ces données des laboratoires et aussi les données de la surveillance épidémiologique. On voudrait encore écouter l'expérience par rapport aux défis, surtout comment arriver à merger les données des laboratoires avec les données de surveillance épidémiologique. OK, je vois Liban. Thank you very much. With the HS2 tracker capture, you can merge this information. We have stage one reporting from the health facilities. We have stage two investigation as state and stage three of the lab. So stage three is of the lab, so they can fill the result on stage three so people can read the result from the health facilities to the MOPH and to the lab. Over. OK, merci beaucoup. Un autre pays. Et là encore, c'est ça la nécessité de vraiment d'avoir les listes linéaires, parce que vous avez les cas, les résultats, c'est les résultats d'un malade. Et ces résultats doivent arriver au niveau de CTC, ITC, pour qu'au moins qu'ils prennent des actions si le cas est réellement confirmé. Donc, arriver à merger ces données et que les CTC puissent l'utiliser pour prendre action, c'est un peu ce partage d'expérience qu'on voudrait. Parce que les laboratoires, parfois, il est plus haut situé, peut-être au niveau régional, alors que les districts qui ont envoyé les échantillons, ils doivent avoir des résultats, et ces résultats au regard du patient pour arriver à répondre de manière efficace. Et vous savez que la culture parfois prend 2-3 jours, 3-4 jours par rapport à l'analyse pour que les résultats sortent. Ce n'est pas comme les tests rapides. On peut avoir les résultats pendant la journée au niveau de la structure. Mais pour la culture, les PCR, ça demande quand même un peu de temps. Et chaque zone de santé, je sais que chaque zone de santé n'a pas peut-être la possibilité de faire le PCR directement pour avoir ces listes qui sont combinées. Donc, l'expérience du pays et les défis par rapport au laboratoire pour combiner avec les données de surveillance. À part la Libye, le Liban, le Nigeria, good day, colleagues. My name is Ilya Chashi from Nigeria. Okay, so for Nigeria, we have what we call SOMAS. And SOMAS is a surveillance outbreak
reporting management analysis system. So with SOMERS, from the community level, where we have DSNOs, that's disease surveillance officers, where they pick cases and samples are being taken. Those samples are supposed to be entered. They have EPID numbers, which are supposed to be entered on the samples while sending them with the CIF, okay? Now, most times, the DSNOs take the samples and they fill the CIF form and then they send. And they don't enter those CIF numbers on the SOMERS. So once the sample gets to the laboratory and the sample is being tested at the national laboratory, they have a data clerk who enters this information for those DSNOs to be able to see their results real time. But then, so there is this gap where if they don't enter the EPID number, when the lab is done testing the sample, so it becomes a big challenge for them to be able to identify, oh, this is the case and the sample that was sent. So there's this big gap between the lab and the surveillance data. So those data, you have a lot of missing information, missing data. So harmonizing those two data has been a very, very big challenge, even in country. So I don't know how going forward, we're going to address these gaps. Thank you. Merci beaucoup, les Nigériens. On comprend vraiment que c'est un peu ce type d'expérience, des difficultés qu'on veut partager. Et on va suivre un autre pays. Donc, pour les Nigériens, la difficulté souvent, c'est de merger les deux données. C'est parfois au niveau provincial ou au niveau national qu'on les fait, mais c'est toujours difficile d'avoir. Donc, nous devons arriver, nous comprenons que la nécessité de mettre en place cette surveillance électronique et qui permet au laboratoire d'être aussi connecté dans les réseaux électroniques avec l'identifiant unique, ça peut permettre de pouvoir au laboratoire, dès qu'il a les numéros de l'échantillon avec un identifiant bien connu, les laboratoires peuvent, dans la liste linéaire, intégrer ces données et ça permet, ça c'est l'expérience de la RDC, ça permet, dès que le laboratoire a mis les données dans cette liste linéaire, ça permet à la zone de santé de voir immédiatement les données et il prend maintenant les données, il met au regard du nom de la personne à qui l'échantillon a été prélevé. Ça, ça nous permet de mettre en regard de nom les résultats du patient par rapport au laboratoire. Oui. Thank you very much. This is Uganda. Our experience may not differ so much from our colleagues from Nigeria, but there are several steps that we have undertaken. However, I will begin from the aspect of cholera specific. A few years ago, we went and did a hotspot mapping, though we have those designated areas that we know these are likely hotspots for cholera epidemic. However, these are changing dynamics. For example, we have refugees who come in from like the Republic of South Sudan, that influx of refugees, the extension of refugee camps affects the formerly mapped hotspots. The same happens with the other side of refugees from the other side of DRC,
So all those are challenges which are so dynamic that you can't base on the previous ranking and mapping of hotspots and say that these are our hotspots. So this has to be revised and ongoing because of the certain dynamics, environmental changes like rains and floods. All those affect our projections. Now, when it comes to data management, basically our system is ignited by the outbreak. We have not been so much on the system of routine surveillance, but our system is ignited so much by the cases happening in terms of outbreak, and then we shall jump in. Now, when it comes to reporting, we rely basically on HMIS, paper-based, which is aggregated in form of to the DHIS2. Now, the team at the epidemiology section of Ministry of Health will review these reports and then see the surges and increments in data and reporting on top of the alerts which have been reported. So that then ignites more action to review. But then you realize that much of these are reported as a result of RDT. That's why my submission here was more to delineate the role of RDTs in especially in low developing countries. There is much capacity which is needed in terms of educating our colleagues, healthcare workers, how RDTs work and when should RDTs be employed. So that is very critical, not to misinform management in this era of antimicrobial resistance. Now, the system we have developed for antimicrobial resistance of sentinel-based surveillance is also encompasses cholera in the regional referral hospitals, which are designated health regions. So we think that as we are building this system for other bacterial infections, even cholera can be also embraced because it is among them. But if there is another way of doing it and making it a digital response system, I think that would be a very good approach because it especially if we pilot it in those mapped and ranked hotspots in the country. So in a nutshell, that is the submission I can give for our case. But response is robust once there is a case or once there is a confirmation. And this confirmation relies is done more within our national microbiology reference lab. So we have a system that refers samples, which samples there is capacity at regional referral hospital to test a culture and sensitivity and confirm. And then if there is no within that at that moment, we have a system that is robust enough to transport these samples to a national reference lab and do a confirmation. But our aim is to build regional capacities for such outbreaks. Thank you very much. I submit. Merci beaucoup pour l'Ouganda. Je crois qu'on va regarder les outils qui sont utilisés par les différents pays. Donc, on a compris que beaucoup de pays utilisent les DHSI2 pour remonter l'information, mais il y en a aussi qui utilisent d'autres outils, donc les systèmes en ligne des listes linéaires. Il y a les Google Sheets, il y en a aussi qui utilisent Epi Info comme support. Là aussi, peut-être on aimerait entendre plus par rapport aux discussions. Il y a aussi ceux qui utilisent les informations à travers les I, donc les indicateurs de santé par rapport à la surveillance. Alors, par rapport au management et analyse, on a remarqué pour la surveillance, il y a 42% des données qui sont analysées au niveau de la zone de santé. Ce qui est idéal, en fait, c'est que les niveaux qui produisent l'information puissent analyser pour prendre des actions.
C'est vraiment ça la recommandation. Et si déjà au niveau de la zone de santé, au niveau du district, on peut analyser et prendre des actions, ça sera plus mieux. Et aussi, par rapport toujours à l'analyse des données en termes, après avoir analysé, il faut produire un rapport sous forme d'un bulletin. On a remarqué que 33% seulement s'est fait au niveau des districts ou au niveau des zones de santé. Là aussi, on aimerait peut-être avoir les difficultés parce que si on analyse, très peu on analyse, et maintenant aussi, ça se répercute même en termes de rapportage des données au niveau de là où l'épidémie, là où il y a flambé. Déjà, l'analyse, les rapportages n'attend que les niveaux, parfois les niveaux provinciaux, les niveaux nationaux. Est-ce qu'il y a des difficultés par rapport aux pays où les zones de santé n'arrivent pas peut-être à faire les bulletins? Où, là où ça s'est fait, peut-être partager aussi l'expérience. Est-ce que ça s'est fait de manière routinière ou c'est seulement pendant qu'il y a des flambées que les gens publient les bulletins par rapport au niveau des zones de santé? On va écouter peut-être en ligne, Morgane. Il n'y a pas une main levée en ligne. Oui, Cameroun, par rapport au bulletin. Merci de me passer la parole. Il faut dire que depuis l'arrivée du DHIS2, on a commencé à expérimenter en 2017. La notification se fait par les formations sanitaires et tous les niveaux de la pyramide peuvent voir les résultats. Donc, avant le DHIS2, quand les districts de santé devaient compiler les formulaires papier, il y avait une forme d'analyse qui se faisait. Mais maintenant que ça passe dans le DHIS2, parfois c'est le niveau central qui informe le niveau régional ou bien le niveau district sur la notification des cas suspects. Donc, il y a eu cette perte en ce qui concerne les analyses par le niveau opérationnel. Maintenant, au niveau régional, ça se fait un peu plus parce qu'il y a le besoin de rapports avec la région et au niveau central, c'est obligatoire. Maintenant, en cas d'épidémie, avec les listes linéaires, l'analyse se fait davantage, mais beaucoup plus au niveau régional et au niveau national. Au niveau opérationnel, avec les districts, même les formations sanitaires, ils ont perdu cette capacité d'analyse des données, qui est pourtant une des fonctions essentielles de la surveillance. Donc, il y a encore besoin de renforcer les capacités des prestataires au niveau local. Merci. Merci beaucoup, Cameroun, pour ça. Donc, vraiment, la recommandation voudrait que ce soit à ce niveau-là que les bulletins soient publiés. Oui, Morgane. Thank you, Placide. I think maybe Niger wants to take the floor online. You can go ahead, bienvenue. Bonjour tout le monde, je ne sais pas si on m'entend, c'est Aïcha du Niger. Oui, on vous attend. Ok, merci, j'espère que vous allez bien tous. Par rapport aux outils utilisés, pour le cas du Niger, nous avons le DHIS2, nous avons le STELAB. STELAB, c'est système de traçabilité des données de surveillance épidémiologique et de laboratoire. Alors, ça a été installé ou bien mis en place au niveau de l'ensemble des régions du pays. Il y avait eu une phase pilote et par après, maintenant, c'est à tous les niveaux qu'on a cet outil-là. Il y a le DHIS et nous avons nos fichiers Excel qui sont toujours là. Donc, nous avons le fichier MDO, maladie à déclaration obligatoire. Nous avons aussi les listes linéaires qui sont remplies et transmises du niveau périphérique vers le niveau central. Donc voilà par rapport aux outils qui sont utilisés pour le cas de notre pays. Maintenant, pour les différents bulletins. Alors en situation d'épidémie, il y a le site REP
qu'on élabore de façon journalière. Et nous avons notre bulletin hebdomadaire, donc bulletin SMR, nous l'appelons, qui se fait de façon hebdomadaire. Et par exemple, pour l'année 2022, ce bulletin, je pense que nous avons fait sortir 50 numéros. Donc, sur les 52 semaines, il y a eu 50, n'est-ce pas, qui ont connu un bulletin. Maintenant, au niveau des régions et des districts, il y en a qui font ça de façon, on va dire, un peu régulière. Mais en situation d'épidémie, il y a d'autres, n'est-ce pas, qui font ça localement. Mais ce n'est pas vraiment très, très régulier au niveau déconcentré. Voilà le partage que je voulais faire par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau du Niger. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le Niger. Je crois que par rapport au bulletin, on a suivi la recommandation. Donc, pour arriver à faire en sorte que l'analyse puisse vraiment se faire au plus bas niveau, et c'est ce niveau-là qu'on doit les encourager, les accompagner à faire des bulletins de manière régulière, c'est peut-être un rythme hebdomadaire, pour permettre aussi qu'eux-mêmes qu'ils puissent utiliser leurs données et faciliter les actions, comme vous avez suivi. Les premières actions, si on veut que la réponse soit rapide, c'est les niveaux des districts, c'est les niveaux des zones où la première action doit être déclenchée et les autres niveaux viennent en appui. Et donc, on va aussi suivre l'expérience de Mozambique en même temps et on va remettre la parole pour des autres échanges et discussions pour José avec Mozambique aussi qui va dire un mot par rapport au système et le management des données au niveau de Mozambique. José, vous avez la parole. Thank you, Placide. Well, Mozambique has a very mixed system to manage data. So we have from district level data management to the national level data management. Most of the strategic data management and analysis are done at national level, but then all the provincial districtal level are also trained to do their own analysis for rapid response and rapid action. So, and we use a very complex system in terms of tools and instruments for data collection and data report. So at the end, we end up using DHS2, but there's several in between DHS2 and including paper-based, less paper now, but still have some levels of paper. And this, because we have a lot of, it's a vast and an extension country. So different mechanisms to manage, to use, to report data still being used. Yeah, so we are coming to the end of this session. And before we end up the session, we would like to hear from you our innovative factors of success on surveillance and also peculiar obstacles on your surveillance system. I can give you an example. For us, I said this on my presentation on the first day, that for Mozambique, the innovative, not that innovative, but success factor was to implement mortality surveillance as a community surveillance to early detect cases, because we have the term early detection, but what does it means sometimes can be challenging. And for us, the system of investigate excess or high levels of mortality in community
and then see the causes and then trigger investigation was a key factor in many districts, especially in the center districts near to Malawi, where we were seeing cases. Otherwise, it would be silent districts and we would not be able to investigate. And a peculiar obstacle for us, it's accessibilities to many of those districts. I think Ivaldo is here, went to Tsangana and some places that you cannot dream to reach there on normal day, but because of the system, we were aware that these places exist and cases were there. So yeah, so it's there is this challenge for surveillance, accessibility. You normally don't talk about accessibility for surveillance, but it's a challenge how to get information for very remote areas and how to get instruction to those same remote areas. We'll be happy to hear from one or two countries about Sussex Factor, Lebanon. Please, you have the floor. Mike, please. Hello, yes, thank you very much. Among the points that have been success in Lebanon, that to do this rapid investigation to the field, we have also outsourced the NGOs. So some NGOs have rapid response teams. So we have trained them on how to do the investigation. And we went to them to supervise them about the work. And they were of great help in doing this field investigation of the cases in remote areas. Over. Thank you. I think we will have one more before we close. Morgan, we have someone online. We have someone here. Please, Kenya. Yeah, so I think for Kenya, what we can report is in terms of innovation is the expansion of event-based surveillance. Although we've not covered the whole country, but areas we've been able to cover with event-based surveillance, of course, we've improved detection. The other thing, of course, is to facilitate analysis at subnational level. We are using the field epidemiology program to train our surveillance officers on basic and intermediate EPI analysis, and also the use of virtual meetings between national and lower level surveillance officers to interact and review the bulletins. The challenges we have, of course, are challenges around cross-border surveillance, because our region has several countries and the challenges cut across. There are also issues around staff turnover, and particularly for community-based surveillance, because of the reward system, you can't retain them for a long time. So you train and then leave and all that. So there's continuity issues at community level. And but largely, I think what we are trying to do, the country is getting community health volunteers across most of the country, and this will assist in facilitating community-based surveillance. Over. Thank you. And with this, we reach the end of this session, and I will give back the floor to Kristen.